Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son sera pas trop pourri parce que je suis sur mon téléphone. Simple vlog aujourd'hui et je vous parle d'une technique de mémorisation qui s'appelle la table de rappel. Donc je vais essayer de faire ça assez simplement et rapidement, mais je vais vous expliquer d'abord comment on crée sa table de rappel et après comment on s'en sert. C'est une méthode qui sert à retenir des listes. Donc table de rappel toute simple, 10 éléments. L'idée pour se créer sa table de rappel, c'est de se créer 10 images fortes, relativement différentes et surtout qui vous parlent au maximum à vous. Donc je vais vous expliquer par exemple moi la mienne très très vite ce que c'est de 1 à 10. Donc le 1 c'est un sapin, le 2 c'est un signe parce que le 2 représente, pour moi ça ressemble à la forme d'un signe. Le 3 c'est des fesses, on comprend pourquoi et puis ça me fait rire d'associer un truc à des fesses parce qu'après on va associer des trucs. Le 4 c'est un nez, le 5 c'est un ventre, le 6 c'est un sac, le 7 c'est une table, le 8 un bonhomme de neige. Et le 9, une fleur. Voilà, je pourrais vous expliquer chaque élément, comment je l'ai choisi, mais je l'ai choisi chaque élément avec grand soin pour être sûr de me rappeler de cette liste de manière fixe, nette et jamais l'oublier. Ça, c'est la manière de créer sa table de rappel. Ensuite, pour s'en servir, c'est tout aussi simple. On me donne une liste de 10 trucs à retenir, que ce soit des mots, des concepts, des objets, de ce qu'on veut, des verbes, etc. J'ai 10 trucs à retenir qui sont classés donc de 1 à 10. Et ben chaque élément, je l'associe avec l'élément de ma table de rappel. Ma table de rappel que je connais très bien par cœur. Donc par exemple, pour le premier truc, on me dit un banc. Et ben moi, le 1, c'est un sapin. J'imagine un banc fabriqué en sapin, où il reste des épines de sapin et tout ça. Du coup, je me rappelle vraiment que le banc, il est en sapin. Et quand je cherche le sapin dans ma tête, ben, c'est le banc qui va me revenir. On associe chaque élément de la liste à un élément de sa table de rappel, qui est déjà une liste. Et ça permet de retenir des listes de manière vraiment très 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 simple, en tout cas beaucoup plus simple que sans table de rappel. Voilà, c'est une petite méthode que les mentalistes utilisent, que des professionnels de la mémoire utilisent, etc. Il y a des concours de mémoire qui existent, il y a plein de choses. Voilà, c'est une petite technique qui peut servir, j'espère qu'elle vous servira. Il y a aussi le palais mental dont je vous parlerai peut-être dans un autre vlog ou dans une autre vidéo. Et puis voilà les gens, abonnez-vous, likez. Abonnez-vous à mon Instagram parce que là c'est un nouveau téléphone, je vais avoir de quoi faire. Et puis on se retrouve demain. Peace. Elle le dit, c'est Zidane ma foi.